FXB International est une organisation non gouvernementale qui soutient les enfants et les familles affectés par la double crise de la pauvreté et du sida. FXB travaille avec la ferme conviction que la réponse à donner au nombre croissant d'enfants vulnérables se situe dans une action globale à mener auprès des familles et des communautés afin de leur permettre d'échapper à la pauvreté de manière durable. Le village FXB est un programme participatif de développement communautaire durable. Il met en réseau 80 à 100 familles indigentes et les emmène en 3 ans à l'autonomie économique et sociale. Sorties de l'extrême pauvreté, leur capacité globale renforcée, ces familles sont ainsi en mesure de prendre en charge, protéger et élever les orphelins et les enfants vulnérables de leur communauté. Pour être global et pour obtenir les meilleurs résultats, l'intervention et les services doivent être intégrés pour améliorer et développer simultanément les nombreuses facettes du bien-être de l'enfant et de sa famille, en associant la santé, la nutrition, l'éducation et le renforcement économique de la famille. Les villages FXB sont enracinés dans les communautés et adaptés à chaque contexte culturel, politique et économique. Le personnel est toujours recruté au niveau local. L'axe central de ce programme est l'activité génératrice de revenus remise au chef de famille au début de l'intervention. Cette micro-entreprise leur permet de subvenir graduellement aux besoins de la famille élargie. Conjointement, FXB accompagne les bénéficiaires jusqu'à leur autonomie en améliorant leur accès à des services sanitaires, médicaux, éducatifs et économiques de qualité. FXB distribue des rations mensuelles de nourriture et encourage chaque famille à cultiver un potager. Cet appui nutritionnel a un impact direct sur la vie des bénéficiaires. Délivrés de l'angoisse permanente de la survie alimentaire, les adultes peuvent se consacrer pleinement au développement de leur micro-entreprise et les enfants poursuivre une scolarité régulière. Le soutien nutritionnel cesse après 12 mois, puisque leurs revenus permettent déjà une alimentation régulière. FXB facilite l'accès à des services complets de santé, incluant le dépistage du VIH, le traitement des maladies opportunistes et l'accès aux antirétroviraux. Dès la deuxième année du programme, les bénéficiaires sont déjà en mesure de participer à hauteur de 25% aux frais de santé de la famille et à 50% la troisième année. FXB inscrit tous les enfants à l'école et prend en charge les taxes et le matériel nécessaires. Des possibilités de formation professionnelle sont offertes aux adolescents. Dans ce domaine également, dès la deuxième année, les bénéficiaires participent à 25% des frais d'éducation et à 50% la troisième année. Parler de sa vie, la plupart du temps marquée par des drames et des déceptions, entraîne souvent des réactions intenses qui sont gérées avec délicatesse par les collaborateurs des villages FXB. Pour les aider à retrouver estime de soi et dignité, les bénéficiaires participent à des entretiens individuels ou collectifs afin de mieux gérer les problèmes familiaux et médicaux, ainsi que les tabous et la discrimination qu'ils rencontrent. FXB organise pour toute la communauté des séminaires d'information et de prévention du VIH, ainsi que des cours sur la santé reproductive et sur les infections sexuellement transmissibles. FXB fournit un accès gratuit à l'eau à toute la communauté à travers la captation de sources et la construction de puits. Pour éliminer les risques liés à l'insalubrité,
les bénéficiaires sont sensibilisés aux principes d'hygiène de base et à la gestion de l'environnement par la construction, par exemple de foyers de cuisson ventilés, de latrines ou d'abris séparés pour les animaux. FXB aide les bénéficiaires dans différentes procédures juridiques et dénonce les cas d'abus envers les enfants. Des formations sont régulièrement organisées sur les droits de l'enfant et sur des thèmes juridiques tels que la législation du mariage ou la reconnaissance légale des enfants afin de sensibiliser toute la communauté sur ces sujets. Les bénéficiaires sont réunis en groupes de 6 à 10 familles. Ces groupes ont une fonction sociale et économique. Ils s'entraident et se soutiennent dans les périodes difficiles, et ensemble, ils développent une AGR commune dont ils partagent les revenus supplémentaires ainsi générés. Grâce à ces réseaux, les compétences acquises au cours du programme sont maintenues et renforcées sur le long terme.